Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike, et dans cette vidéo nous allons découvrir le nouveau pass de combat de Call of Duty Warzone saison 3 Modern Warfare. Donc c'est parti le poteau. Hier j'ai tryhard le mode Warzone pour atteindre le palier 100 du pass de combat de la saison 2, j'ai réussi. Enfin, j'ai payé 10 petits paliers quoi, vite fait. Veuillez lire les conditions, ok, ben, je les ai lues, voilà, merci. Ok, je me trompe de compte, ok, je vais changer de compte, à tout de suite. Donc voilà, là j'ai lancé sur le bon compte, et quand nous lançons Call of Duty Modern Warfare Warzone, nous avons cette nouvelle image. Donc premier petit leak, enfin première petite image de la nouvelle saison 3 de Warzone. Ok, donc directement, nous avons le trailer que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. Donc je vous le laisse. Ah non, même pas, c'est neutre. C'est un autre trailer, excusez-moi. C'est officiel, l'armistice a échoué à Verdansk. C'est un putain de chaos. Ça, je le savais déjà. J'ai une équipe en approche. Arrivée imminente sur votre position. J'espère qu'ils sont bons. Plutôt, oui. Trop badass. Et regardez bien. Donc ça c'est mon perso que j'ai débloqué hier. Que j'ai galéré pour débloquer. Je vous croyais mort. Et là regarde bien. Boum, ils sont 3 plus l'autre, ils sont 4. Donc là vous avez compris le retour. L'arrivée plutôt du mode Quatros. Donc de la squad à 4 joueurs. Donc ça c'est vraiment pas mal. Récompense de la saison, merci poto. Donc c'est parti, let's go. Alors, BR en Quatros, voilà, direct, ça c'était obligé, c'était leaké, il l'avait dit qu'il allait faire son apparition. Par contre, ils avaient dit aussi qu'il y aurait peut-être un mode duo. Apparemment, le leak a été faux parce qu'il n'y a pas de mode duo. Bon, il y a déjà un mode Quatros, il y a un mode solo, mais il n'y a plus de mode trio alors. Ah hein, ouais, ça c'est la merde en fait. Pourquoi ils font des choses comme ça là? Pourquoi ils nous laissent pas? Ils sont sérieux là? Putain, ils font chier. En quoi trop? Non mais moi j'aime bien pouvoir faire le choix, tu vois, quand j'ai 3 potes, ben je joue avec 3 potes, quand j'ai 4 potes, je joue avec 4 potes, quand j'ai 2 potes, je joue avec 2 potes, quand je suis solo, je joue en solo, ça c'est dommage, j'aime pas quand ils font des trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, on a le Quattro, c'est déjà pas mal. J'aurais quand même pu laisser le mode duo, quoi, merde. Alors la saison 3 inclut Vipère Noir, Néophyte, Chapeau Cabra, Carnage, Balayeur des Sables. Tout ce qui brille. Acheter le pass de combat. Continuer. Ouais. Donc, il y en a une arme à gauche qui est le serpent des arbres. Donc, un nouveau sniper. Enfin, une nouvelle variante de sniper. Ou peut-être un nouveau sniper. Je ne sais pas. Et une nouvelle arme à droite qui est intitulaire. Non, utilitaire. Voilà. Niveau 100. Par contre, il va falloir être palier 100 pour le débloquer. Et les personnages que vous voyez en plein milieu de l'écran, ce sont les nouveaux persos du pass. Donc il y en a 7. Ok, c'est parti, on va acheter le pass. Donc on l'achète pour 1000. Il faut savoir qu'on récupère 1300 points code. Donc vous êtes remboursé. Donc vous achetez le pass à 1000 points code et vous êtes remboursé à 1300 points code. Si vous, bien sûr, vous allez jusqu'au palier 100. Donc il va falloir tryhard un petit peu. Passe de combat, obtenez l'accès à 1. Ok. 30 apparence légendaire. Ok, ok. Disponible. C'est parti. Ok, Battle Pass, amélioration débloquée, saison 3. Moi, je l'achète parce que ben, voilà, j'ai des points de code. Mais vous, regardez si le pass vous intéresse. Parce que il n'a pas l'air terrible, hein, personnellement. Moi, je voulais absolument le personnage Ghost de la saison 2, je l'ai eu. Voilà, celui-là, il n'a pas l'air terrible, mais je vais quand même le faire. Je ne peux pas voir en grand ici, aperçu, voici. Ok. C'est pas trop mon kiff, mais ouais, pourquoi pas. Il est sorti de prison, lui, ou quoi? C'est quoi cette histoire? On a celui-là, hein. Je pense qu'il est assez basique. Un nouveau camouflage pour les véhicules. Ok, de l'XP. Une nouvelle arme gratuite, c'est ça? C'est quoi ça? Rare arme de point éco. Donc c'est un plan d'armes. Rare, c'est un plan d'arme sûrement pour modifier l'arme ou je sais pas quoi.
Donc ça c'est une carte de visite. Des XP de 1 heure. Double XP d'une heure. Alors un emblème sac à dos. Sac d'argent plutôt, ok. Un plan pour le corps à corps alpha. Donc ça c'est sûrement des camouflages je pense. J'ai pas encore bien tryhard le jeu donc je sais pas trop bien. Mais voilà, je voulais absolument vous présenter le pass parce que hier j'ai pas su parce qu'il y avait la mise à jour et que j'avais tryhard pendant 8 heures donc il fallait absolument que je dorme. Alors là on a des points code, les 100 points code, un jeton de double XP, un plan de fusil d'assaut Inda. Donc on dirait que c'est un fusil d'assaut, ouais ok, on dirait une FAMAS, ouais, on dirait. Alors un porte-bonheur, meilleur ami de l'homme. Ok, c'est sûrement un porte-bonheur qu'on met aux armes. Une apparence, donc ça c'est un voilà une nouvelle apparence, un nouveau personnage, un nouveau skin. Un autocollant, Sergent Furieux, à mon avis que vous pouvez coller sur votre personnage. Consommable, ok, donc ça c'est 100 points code. Une heure de double XP, ça c'est quoi ça? Un spray, ah ok, un nouveau spray, tire dans la tête. On peut le voir. Ok, ça fait ça, le spray, ça fait ça. Ok, sans plus, hein, pour l'instant, il n'y a rien qui botte, il n'y a rien de très très ouf. Une arme Renetti, donc ça c'est une nouvelle arme, je pense, parce qu'il n'est pas marqué commun arme. Ouais, je pense que ça c'est une nouvelle arme, Renetti, je sais pas. Peut-être une variante aussi, je ne sais pas. Ah non, arme gratuite, ouais, ça c'est une nouvelle arme. Alors, tueur en liberté. Carte de visite, ok, elle est pas mal, celle-là elle est pas mal, elle est animée et tout, donc c'est pas mal. 100 points code. Alors ça c'est un plan d'arme de la mitrailleuse Charlie, Armstrong Graham, donc ouais c'est des variantes. Hein. Apparence Storm, ok, celui-là on va le théma un petit peu quand même. Ouais il est pas mal, celui-là il est quand même bien. Franchement le premier personnage là il est pas mal du tout. J'adore son petit chapeau là sur sa tête, il est trop bien mis. Non, celui-là il est assez classe. Alors ensuite, nous avons un exécuteur, ah une opération, attends, quoi? Légendaire, exécution d'opération, beau canard, attends, quoi? C'est une exécution, oh ça déchire, ah ça c'est stylé quand même, ça c'est stylé, une bonne petite exécution avec un chien, c'est pas mal. Légendaire, plan fusil d'assaut Delta, gerboise, donc un plan pour un fusil d'assaut. Épique, consommable, le jeton double XP, ok, 45 minutes, 100 points code. Un nouveau porte-bonheur colis stratégique, ok pas mal, ouais c'est pas mal. Jeton double XP, bah, sans plus, hein, c'est juste un colis stratégique, moi ouais, j'aimais bien. Le porte-clé, j'ai oublié de vous le dire, celui-là était quand même bien, tu vois, avec le petit chien. Mieux que la caisse qu'on a là, le largage, voilà quoi, c'est sans plus. Alors 30 minutes de double XP. Alors un apparence de véhicule en jaune, ouais ça fait un peu penser à... Je sais plus là, le jeu... Hein. Attendez, je vais vous retrouver. Voilà, ça, Apex. Ça me fait penser aux couleurs d'Apex, ce genre de véhicule comme ça. Ou alors à la Borderlands un peu aussi. Donc ouais, elle est pas mal depuis la fois, ça part en ce véhicule, pas mal. Ouh, elle a l'air bien cette variante, hein. Attends, je peux la voir là, vite fait. Elle est classe, hein. Regardez-moi ça, ce sniper là. Waouh, 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 waouh. Ah bah c'est Serpent des Arbres. Ah bah c'est justement celui-là qui était affiché... sur le pass de combat quand vous l'achetiez, donc ça c'est niveau 27, tu vois, je crois que c'est celui-là, en tous les cas il est stylé. Je le voyais autrement sur le pass de combat, mais apparemment c'est celui-là. Donc là, un spray d'une échelle, voilà c'est pas ouf. 15 minutes de double XP. Un nouvel agent, ouais allez on va le théma un petit peu. J'aime bien ses lunettes oranges. Ok ouais, pas mal. Ouais, il est plutôt pas mal, hein, coréen. Donc c'est ça, il a le truc de la Corée, je crois, ou Chine, je sais pas. Alors ensuite, nous avons une arme SKS. Mm-hmm. Ça c'est une nouvelle arme apparemment, c'est vraiment... Ça c'est bien qu'il rajoute des nouvelles armes, elle a l'air pas mal aussi. 100 points code, une nouvelle montre, ah stylé quand même en bleu. J'adore le bleu si pour ceux qui ne le savent pas. Carte de la visite, c'est toute la bande. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Toute la bande, ok. Ok, il y a Ghost et tous les personnages, ok, nice. Alors, un fusil d'assaut, donc ça, c'est un plan de fusil d'assaut, vipère noire. Donc ça, je tourne double XP pendant 45 minutes, c'est quoi ça? Boom, badaboom, un emblème. Ouais, ça va. Ça va, il est pas mal fait. Dissimulation, plan militaire Charlie, ok, c'est un nouveau plan d'armes. Apparence de véhicule, Warzone Express. Ouais, pas mal. Alors, le cowboy ici, apparence des
Les day cachette rapide. Alors je suis pas trop cowboy. Ouais, donc ça, moi, c'est pas trop mon kiff. Hein. Non, 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 ça, c'est pas un personnage que je vais utiliser. Hein. À moins qu'il y aurait des chevaux à chevaucher. Alors, 100 points code, ok. Un plan de fusil de pompe. Ok. Attends, c'est quoi? Néophyte, ok. 1 heure de double XP. Un autocollant renard du désert. Ouais, c'est pas ouf. Un nouveau plan. Mitrailleuse Charlie. 15 000 double XP. Un nouveau spray. Donc le spray, elle est pas ouf non plus. 100 points code. Une carte de visite parachutiste. Ah. Un nouveau personnage parachute. Para-rescue. Oh, ça fait fort américain. Hein. En même temps, il est américain. Donc, typiquement le militaire américain. Ouais. Pas trop mon kiff. Je préfère mon petit Ghost. Carnage, ok, une variante encore. Un écho, donc un emblème écho. Double XP 15 minutes. Un petit porte-bonheur ours, mais je préfère le chien. Alors, une variante encore. 100 points code. Double XP. 1 heure. Alors, un autocollant pluie. Torrentiel. Ouais, il est pourri. Encore une variante. Ah, celui-là. Un petit jeune comme ça. Un nouveau skin. J'aime bien le bleu, mais bleu clair, bleu ciel comme ça, je sais pas, j'aime pas trop. Surtout pour aller au combat, je sais pas, je trouve. J'aime bien sa tête, mais j'aime pas trop son style. Alors ici, Hammer Down. Une nouvelle montre. Un nouveau spray. Donc le spray, c'est quoi ça? C'est un sac à dos? Je sais pas, A+. Je sais pas trop ce que ça représente. C'est moche de toute façon. Double XP pendant 30 minutes. Putain, vas-y, les double XP, ils en donnent blindé. Hein. Ok, longue route. Carte de visite. Une variante. Pluie de balles. 100 points code. Un emblème. Ouais, pof. Double XP. Ah, celui-là est pas mal. Moi, ouais, j'aime bien cette petite tête là, comme ça. Fait Splinter Cell un peu. Ok, pas mal. Alors, voyons voir cette petite variante. Ouais, ce petit skin plutôt. Ouais, police, c'est pas ouf, hein. Métropolis, métro quoi, Metro City Police, ouais, j'aime pas trop. Rien d'exceptionnel pour l'instant, je trouve. Une variante, ok, balayeur de sable, un autocollant, ouais, il est quand même stylé l'autocollant, j'avoue que celui-là, je le mettrais bien quelque part. Double XP, 100 points code, un camouflage pour... Votre véhicule en bleu, ouais, ça peut être bien, ouais. Une variante encore, les variantes, ils en envoient blindé. Une carte de visite, elle est pas mal, ça va. 45 minutes, XP. Ah, cet emblème, j'aime bien, j'aime plutôt bien. Ah, un petit perso, un petit skin que je pourrais peut-être utiliser. Ouais, je ferai un bof, hein, bof. Ouais. Je crois que, oh, c'est un Canadien. Je crois que je suis compliqué. Moi, je suis difficile en skin. Hein. On va dire que c'est un des meilleurs quand même du pass. Enfin, je trouve. J'aime bien son camouflage. Mais pas mal. Heure de crime. Ok, encore une variante. 100 points code. 15 minutes. Un nouvel. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Les porte-bonheurs, ça va. Il y a 2-3 porte-bonheurs. Ils sont pas mal. Une nouvelle arme. Ah non, c'est un plan. Ok, donc ça, c'est un Magnum. Attends, on va le regarder parce qu'il est en or quand même. Ok, il est quand même stylé celui-là. Hein. La variante, elle est quand même stylée. Et c'est quoi? C'est arme de poing, Foxtrot. Ok. Alors, un autocollant, ok, il est pas mal aussi. Double XP, 1 heure. Joue avec moi. Oui, yes, no. Joue avec moi. Non, yes, no. Like la vidéo. Yes ou no? No, yes. Allez, like la vidéo, frérot, ça me ferait plaisir. Plan de fusil à pompe. Donc, une variante de fusil à pompe. Ouf. Enfin, merci. Un skin qui m'intéresse. Un skin femme. Putain, mais c'est quoi ces seins, wesh? Mon dieu, elle fait du 90B ou quoi? D, ouais, plutôt du D, ouais. Putain, franchement, c'est ça, vous avez vu comme ça remonte, c'est abusé, hein. Ils l'ont mal fait. Hein. Ah, ou alors c'est parce qu'elle est super balèze, regardez-moi ses muscles. Tu crois que c'est à cause de ça que ça remonte ses seins comme ça? En tous les cas, elle est quand même pas mal stylée, hein. Regardez-moi son petit froc là, en rouge et noir. Ouais, stylé. Quand elle est toute sale sur le visage. Ouais, franchement, ça, c'est un skin que je vais jouer. Ça, c'est un skin
que j'échangerai contre mon Ghost. Donc rien que pour ce skin là, je veux bien Treyarch le pass de combat pour aller jusqu'au niveau 90 minimum. Voilà, 90, on va voir ce qu'il y a pour la suite, mais rien que pour ça, moi j'achète le pass de combat. Parce que on est remboursé, de toute façon, si vous arrivez au niveau 90, vous avez gagné 1100, 1200 points code. Plus celui-là, 1300 points code, vous êtes remboursé logiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Carte de visite. Aussi, on dirait que c'est une carte de visite glitchée, wesh. Elle est pas mal. Oh, un Tamagotchi noir, hein, c'est pas mal ça comme montre. Ok, ça je valide. J'aimerais bien avoir un petit Tamagotchi comme montre, c'est pas mal. Alors un emblème, le cyborg, ok, nice. Il est pas mal aussi celui-là, c'est stylé. Mais j'ai un meilleur emblème, je crois. Celui de la saison 2, la fin de saison 2. Le passe de combat, franchement, il était trop stylé. Alors une petite variante. On a la petite mitrailleuse Uzi, hein, je crois. Double XP. Qu'est-ce que c'est que ça? Un minigun? Ah ouais, carrément. Ah ouais, il est quand même... Ah oui, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. C'est le meilleur petit porte-clé, enfin un porte-bonheur que je trouve dans du pass de combat avec le chien. Avec le chien, il est trop badass aussi. Alors 100 points code, une petite couronne. Alors celui-là, pour moi, de première... Ouais, moi je kiffe pas. Moi je kiffe pas. J'aime bien ces petites lignes dans ses cheveux. Ça, c'est quand même stylé. Mais sinon... voilà, hein. Il est pas foufou, hein. T'as vu, il n'y a pas de pays sur son truc. Attends, c'est comment il s'appelle? Apparence Alex. Légendaire. Ah si, il est américain. Le drapeau est sur son torse. Alors c'est quoi? C'est indomptable. Donc ça, c'est le skin du pass de combat, quoi. Le skin principal à débloquer, le palier 100. Moi, je le kiffe pas trop. Je préfère le palier 90. Voilà, celle-là, elle est trop stylée. C'est donneuse de mort, apparence Mara, franchement je kiffe. Et elle, apparence Alex, ok Alex. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Un plan d'armes qui a l'air trop badass. Ah ouais, regardez-moi ça. Et c'est un sniper ça? Ah non, c'est un coup par coup. Un fusil tactique, ouais, c'est un coup par coup. Oh mais il est trop stylé. Oh, mon dieu, regardez-moi ça, le dragon en plein sur l'arme, ouais, franchement, rien que pour ça, j'arriverai pas à les 100, obligé. De toute façon, moi, je fais tourner le Chronus Max qui joue en ma place, donc voilà, ça va vite aller, ça va vite passer. Et là, une nouvelle apparence pour l'hélico. Et ici, nous avons un emblème. Quoi? Mais il est pourri, wesh. Celui du pass de combat 2, il était plus stylé, il brillait. Enfin, j'ai l'impression qu'il brillait plus. Enfin, je sais même plus quoi est-ce qu'on fait ça, là. Attendez, je vais retrouver ça. Voilà. Celui-là, il est trop stylé, gros. Regardez-moi ça. Ça, c'est un emblème, mon pote. Et ça, je le mets direct. Voilà, voilà. Et regardez ça. C'est du putain de skin, ça. Ah ouais, en plus, on peut le personnaliser. Regardez-moi ce skin, il est trop stylé. Voilà ce que j'ai passé 8 heures hier à essayer de Treyarch le palier 100 de la saison 2. Au final, j'ai dû acheter 11 paliers qui m'a coûté 1150 points code. J'étais dégoûté. Pour heureux qu'à force d'acheter les jeux, ben, j'ai pu économiser pas mal de points code. Ce qui m'a permis d'acheter mon petit skin Ghost que j'attendais avec impatience. Donc voilà, sur ce, je pense que je vous ai présenté tout le pass de combat. Je vous ai tout dit à propos de ce que je savais en tous les cas. J'en sais pas vraiment plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que j'ai pas dit ou que j'ai oublié ou que j'ai pas bien compris. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker bien sûr, à partager et à vous abonner en masse si vous n'êtes déjà pas abonné, les potos, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao, peace.